Tu veux quoi, maman, pour ton anniv? C'est important cette année. J'ai pas trop d'idées. T'as 50 ans. Oh, rien, tu sais, mon fils, pour moi, c'est qu'une année de plus. À part un ticket de loto gagnant. J'aimerais bien, une fois dans ma vie, aller dans un restaurant 3 étoiles. Ce genre de resto, il faut se préparer plus de 6 mois à l'avance en prenant des cours d'élégance? En plus, il faut se costumer de la même couleur que les rideaux. C'est tellement chic que l'on se doit d'être rassasié avec une simple arête. Il n'y en a vraiment pas trop hein, dans l'assiette. Hein. En plus, les bouteilles d'eau, elles coûtent le même prix que leur année de production. Pour réserver, par contre, il faut surtout pas oublier de changer de nom. En mode Vuitton ou Cartier. Non, parce que Pichon, ça match vraiment pas Pichon. Ce qui est kiffant, moi, c'est qu'on aura le resto que pour nous deux. En mode aussi grand qu'un zénith vide. Bon, bah demain, j'irai chercher mes grilles de loto à remplir. Ça y est, je les ai mes numéros. Le 22, c'est pour le prix que ça m'a coûté ces conneries-là. Le 49 et le 1, c'est pour l'âge de ma maman. Pour le reste... Maman, viens voir. Non, je veux pas que tu saches. Quoi? Que j'ai dépensé la moitié de ton repas d'anniversaire. On n'a pas gagné, maman, le repas vers les étoiles. Alors du coup, j'ai réservé à la crêperie bretonne. Et puis là, même si c'est pas un restaurant étoilé, eh ben ça fait des dizaines de clients allumés. Hein? Tu te rappelles l'autre fois, la dame qui voyait rien parce qu'elle avait oublié ses lunettes, et puis il n'y avait pas assez d'éclairage dans la salle, elle voulait qu'on échange de place. Et puis l'autre, là, le jeune, avec son téléphone tout le temps, parce qu'il y avait ses copains qui étaient au bar d'à côté et que la crêperie avait fermé bientôt, donc fallait qu'ils viennent. Puis l'autre aussi, le fou, il venait pour commander des crêpes au sucre. Bon, il avait pas l'air très très bien, mais il avait oublié ses deux sacs de course à l'entrée. Il est pas revenu les chercher. Pas grave, mon Vincent. Tu sais, les étoiles, elles sont dans mon cœur. Après tout, tout est de ma faute. Alors pour me faire pardonner, eh ben, je te rembourse les deux tickets de loto. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Ah non, c'est ton anniversaire. Le champagne, on boira à la maison, avec un grand assortiment de tapas. Comme ça, ça rattrapera. Et la patronne, quand on ira à 22h à la crêperie bretonne, elle se dira, c'est quoi ces allumés aliénés? Mais nous, on lui expliquera pas forcément tout.